Bonjour, je m'appelle Ali Yessoum, je suis fondateur de l'association Remember, qui a le plaisir de vous inviter à découvrir cette exposition Attention au travail d'arabe, qui à sa manière, avec humour, revient sur tous les stéréotypes et les préjugés dont malheureusement sont encore victimes les populations d'origine étrangère ou immigrées ou héritiers de l'immigration. Ça fait malheureusement plus de 50 ans qu'on entend toujours les mêmes affres, les mêmes clichés sur les immigrés ou leurs héritiers. Et il était important de revenir dessus à la manière de l'éducation populaire, d'apporter des outils pédagogiques qui déconstruisent tous ces clichés avec humour si possible, et puis à l'attention du grand public pour servir aussi un petit peu d'électrochoc ou de poils à gratter s'il le faut. Parce que malheureusement, on est encore en lutte contre des évidences sur les notions de liberté, d'égalité, sur une France aussi qui s'est constituée par couches successives et qui n'a pas que des francs ou des. Depuis Clovis, il s'en est passé des choses. Et ça, c'est une nation qui s'est enrichie par touches de couleurs, par épices. C'était. Et c'est toujours ultra important dans l'idée du vivre ensemble, de préciser que pour vivre ensemble, il faut aussi respecter tout le monde, être non pas dans un processus d'intégration, comme on entend souvent, mais on peut avoir une culture différente et faire néanmoins partie d'une nation. Et chacun a droit à ce récit, à ce rang national, parce qu'on s'est évertué à repréciser au cours de cette exposition. Je vous invite à découvrir.